Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de la carrière suivie. Ça doit être le 8 il me semble, je sais plus trop lequel. Alors faut savoir que déjà j'ai déjà fait le même épisode mais pendant 20 minutes. Donc j'ai dû recommencer parce que tout simplement le son ne s'est pas enregistré. J'ai déjà eu le problème, ça fait genre deux fois que je parle comme un débile pour rien en fait. Ah, après ça me dérange pas hein. Mais voilà. Et du coup, voilà. Donc, tout à l'heure, en faisant la vidéo, j'ai remarqué que j'étais au biogaz, j'arrive et je détache la benne à la ferme, hop, j'arrive et tout. Et je vois le semoir. Je le fais. Et il était censé être vendu depuis au moins des années. Et en fait, non, il est resté là, on l'a loué, mais du coup, voilà. Et en fait, j'ai remarqué que, regardez, si vous faites ça, vous faites rendre. Donc, à mon avis, si on dépasse la journée, et ben, on paye un supplément, en fait. Alors du coup, bah, on va s'empresser de les rendre. Sinon, bah, ça va nous coûter cher, ça. Hop, on va prendre. Sinon, voilà, ça va nous coûter bien cher. Donc du coup, bah, le New Land, je l'avais lavé aussi. J'avais passé un coup de karcher sur tous les outils qui m'ont servi dans ce village. Donc on va devoir rendre la lame aussi. J'avais pas pensé. Ouais, quand même. Donc lui, on va le configurer pour mettre un chargeur pour aller détacher le pour aller décharger le tas d'ensilage. Ça a un peu d'argent, de gaz. Hein. Donc chargeur avant, oui. Là, on peut configurer, ça ne coûte 1800 euros. Ça, on n'a pas le choix. Donc lui, ouais, il est plus dégueulasse. C'est vrai. Au pire, bah, tant pis, je ne laverai pas pour cet épisode-là. Comme ça, on va tester jusqu'à sa salissure max, en fait. C'est ça, putain. Je vous l'avais pas dit. Attends. Donc là, on va réinitialiser... Non, on va pas faire ça. Ça va être ça. Au pire, si. Parce que sinon, ça va nous coûter encore plus cher. Et comme on n'est pas non plus pété de thunes... voilà. Donc on va réinitialiser ça. Hop. Comme ça, ça réinitialise plus à la ferme maintenant, ça réinitialise au concessionnaire. Bah, je sais pas, je saurais pas dire si c'est mieux ou... Moi je préférais comme avant, mais bon. Chacun son avis. Ouais. Ça, on va la rendre et le tracteur, je le ramènerai à la ferme. En vidéo. Donc oui, donc je disais dans la deuxième vidéo, dans la dernière vidéo, enfin dans la dernière vidéo que vous n'avez pas vue du coup, non. Que j'ai trouvé que mes vidéos étaient un peu ennuyantes. Enfin, disons que je ne parlais pas assez et tout dans mes carrières suivies. Donc du coup, bah, j'ai essayé de parler plus. J'ai essayé de faire comme si que je jouais moi tout seul sans filmer. Il faut savoir qu'en fait, avant de faire ma chaîne YouTube, bah, je parlais tout seul. Genre, enfin non, je parlais pas tout seul, mais genre quand je jouais à Farming. Et bah, je me disais plein de trucs dans ma tête et tout, enfin... Et je me disais, ouais, il faut que j'aille vendre ça et tout. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans mes carrières suivies. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que j'aurai pas l'air... Enfin, que ça sera bien, quoi. Voilà. Donc là, du coup, on va s'acheter le chargeur. Donc, c'est le chargeur Steyr, mais j'ai testé tout à l'heure, ça marche pour... le New Land, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai oublié de regarder l'heure. Du coup, bah, la vidéo va durer éternellement. Bon, disons que... Comment ça... Ok. Donc, faut que je fasse gaffe. Du coup, je sais pas ce que j'ai acheté. Ouais. Il nous manque le godet. Le godet universel. Hein, comme ça, on pourra tout faire. Parce que s'acheter un godet en silage, bah, ça coûte vachement plus cher. Puis, ça sert à rien. Voilà. Donc là, on va s'acheter une masse aussi. Donc, la masse là. Celle-là. Elle est pas mal. Je sais pas si on la laisse en gris ou en noir. Bon, on va la mettre comme ça, tiens, c'est marrant. Ça nous coûte 100 euros en plus, mais bon. C'est pas non plus la mer à boire. Ce sera un peu plus clair comme ça. Parce que du noir, de rien, on en voit partout. Hop. Ah bah, la chargeur est vachement. Je me pose la question aussi, non, c'est ça que je vais faire, d'acheter, enfin de louer un chargeur plutôt, mais regardez combien ça coûte, c'est assez cher,
Non, qu'est-ce fais? Donc ça coûte 112 000 euros. Assez cher quand même. Non, pardon, ça c'est pour l'acheter. Mais pour le louer, 12 000 euros. Donc vous voyez, c'est quand même assez cher. Que si jamais on va vendre un peu d'ensilage avec ce tracteur. On verra comment ça rapporte. Ça rapporte beaucoup, bah pourquoi pas. Mais vous voyez, genre, si ça rapporte pas, si on gagne que 12 000 euros en tout, bah on l'aura pas rentabilisé, donc du coup ce serait dommage. Donc du coup on est parti au biogaz, hop, y a personne, okay. Alors attendez, je dois faire quelque chose. Je vais m'arrêter là sur le bord. Alors c'est pas très réaliste, même pas du tout. Hop. Oui, je mets un temps en x120 parce que j'ai bien peur que. Vous voyez, fermentation 28%. Ça va, ça va assez vite, regardez, on voit que ça avance. Voilà, donc. Ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. Au pire, on fera de nuit, écoutez, c'est plutôt. Enfin. Ça fait genre le mec qui veut pas s'en chier, mais. Non, 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 c'est pas ça, c'est. Bah, au moins ça a changé parce que je joue toujours à farming de jour. Alors pourquoi pas le faire de nuit? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous direz dans les commentaires si vous aurez apprécié la vidéo. D'ailleurs, je fais ma petite pub, mais n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la vidéo. Donc on va tourner là. Partager, ouais, ça. Oula! Ouais, on aurait fait faire un accident. Partager, qu'est-ce que. À quoi ça me rapporte? Bah, partager, ça permet de me faire connaître. Parce que du coup vous partagez à vos amis et vos amis partagent à des autres amis et au final bah ça me fait plus d'abonnés et tout donc du coup bah les abonnés voilà donc ça c'en était pour la partagation on va dire des abonnés qu'est-ce que ça me rapporte? Bah ça me rapporte beaucoup de motivation ça me motive énormément ensuite les likes bah c'est pareil c'est pour dire si vous avez aimé la vidéo du coup ça me motive et ça m'indique si la vidéo est bien ou pas les dislikes c'est pareil si ça sert aussi le dislike savoir si la vidéo elle est bien ou pas. Regardez comment c'est tellement beau. Ah regardez ouais c'est vachement beau. Ça mériterait trop. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah donc ouais et j'en étais où? Les commentaires? Et bah. Les commentaires, à quoi ça sert? Ah regardez. Petit imprimé écran là. Les familles. Hop. Les commentaires, bah, simplement si vous me dites ouais la vidéo m'a plu parce que ou la vidéo m'a pas plu parce que. Enfin voilà. Ça m'aide à améliorer mes vidéos. Donc tous ces facteurs font que bah, la chaîne va me supporter mieux. Et les vidéos seront forcément de meilleure qualité. Quoi. Donc voilà. C'en était pour une petite parenthèse fermée. Voilà, j'espère que ça sera 100%. Les gens du biogaz, ils vont travailler, ils vont faire des heures sup. Ah, minuit. Regardez. Combien? 100%, bah nickel. Donc on va ouvrir le silo. Ah, ils sont là. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on fait. Regardez. Attends. Attendez, attends. Je galère un petit peu. R. Ah non, ça s'est ouvert là. Alors est-ce que ça s'est ouvert là? Ah merde. Non. Ça s'est ouvert là, mais pas là. Ah c'est une blague. Et pas moyen de l'ouvrir là aussi. 130 000 vite. Ah non c'est une grosse blague ouais, c'est pas du tout roleplay ce que je fais. Oui donc justement en parlant de roleplay. J'allais en venir. Ouais donc cette blague bah tu peux dégager. Oui bah parce que du coup j'ai réinitialisé parce que je me suis dit. La flemme de refaire la route une fois, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est assez long. Oh, putain, je te détache. Donc, je la ramènerai en off. Donc, oui. Le roleplay. Bah, vous avez certainement vu la vidéo comme quoi le roleplay sortira la semaine prochaine. Alors, pourquoi je n'ai pas fait de roleplay qui était normalement prévu le 27 novembre. Bien tout simplement parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel de capture. Vous voyez peut-être ce que je veux dire si vous êtes un peu dans le milieu, si vous avez vu aussi une chaîne YouTube. Et aussi parce que j'ai eu énormément de travail. Voilà. Aujourd'hui j'essaie de vous tourner une vidéo. Donc on est le samedi 3 décembre. J'essaie de vous tourner cette vidéo parce que pour avoir quand même un contenu pour demain, que la vidéo sortira normalement le dimanche 4 décembre. Voilà. Alors on va regarder. Donc, plus 1100 par côté, donc ouais c'est carrément rentable en fait. Ouais c'est carrément rentable. Je pense qu'on va pouvoir s'acheter Hop, quel temps on va faire aujourd'hui. Ça va faire très beau j'ai l'impression. On a peut-être la pluie sur la vidéo. Oui, d'accord, comment on voit la météo. Oh, je suis vraiment un novice quoi sur farming. C'est-à-dire que je l'ai depuis 2011. Et ouais. Moi, je sais pas, enfin bref. Ouais, fin des nuages, quoi, voilà. Donc, du coup, on va vendre quelques godets comme ça, puis pour histoire de tester quand même le godet quoi. Puis après, de toute façon, le godet, même, il nous servira quand même pour les cochons et tout. Mais au moins, ça ira plus vite avec un... le gros chargeur, quoi, parce que sinon, on n'a pas fini. Clairement, là, ouais. Et donc, je sais plus ce que je disais. Bah, ça va me revenir, j'espère. Là, moi c'était pas si bon. Pourtant je pensais quand même gros. Oui donc je sais plus ce que je disais. Il y a un gros trou genre là j'ai mis en briquette. Ouais donc je sais pas. Je sais plus ce que je devais dire. C'est gênant. Là j'étais à la manette mais là j'ai passé. What? Ah non, c'est aussi. Donc on va faire les bords. Oh putain, des pleins de tout. Je le vois, ils sont plus à 1857, mais pas 1900. On se fout de notre poire. Jamais je vais chercher le. Non, on va aller chercher même. Donc je vais aller chercher le gros chargeur JCB. Ça va nous coûter 12 000 euros, mais bon, on sera rentabilisé. Parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, du coup, comme il y a 120 000, on va mettre. C'est pas genre au moins. 120 000, on va mettre 60. Alors, enfin, 60 allées, donc vous voyez. À faire ça. Donc on va faire le dernier godet avec celui-là. Voilà. Au moins il nous servira pour les cochons ou tout. Hein. Ce godet. Il ne sera pas inutile. Oui donc le roleplay il avant. Donc sur la vidéo vous avez pu voir que... Ah il a pu voir. Donc, on a combien là déjà? 5000. Ça va. On va être là. Et on va regarder combien on a gagné. Juste... On peut voir ça, hein, les finances. Ouais. Hop. Non, c'est pas ça. Ça va être là. Bah, si, ça doit être là en fait. Je suis peut-être simplement bête.
C'est parce que j'en ai pas. Ah là. Là 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 là. Donc ça va être je sais pas. Revenu de la récolte 11 000. Non, non. L'usine du biogaz 4403. Ça va. Alors, blé, là, oui, merde. Voilà. Donc, je vais faire une ellipse. Je vais louer. Charles, non, c'est quoi ça? Ouais, lui, il est un peu trop gros quand même. C'est le même, donc j'ai l'air. Non. Ouais. Donc, j'ai loué ça. Et on se retrouve. Je vais faire une ellipse. Comme ça, bah, ça ira plus vite pour vous. Heureux. Donc, on arrive au silo. Alors, voici la bête. Plutôt pas mal. T'en as un peu plus. C'est beaucoup plus spécial à conduire hein, quand même. Mais c'est cool, on a une bonne visibilité. J'avais laissé le temps hein, 120 sans faire spoil. Ouais, ça va vachement mieux quand même. C'est cool. Donc on va regarder combien de capacités, je vais même pas regarder. Genre, la tug. Déjà, il y a beaucoup plus parce que l'autre c'était 1800. Si vous en rappelez, 1800. Et lui, il peut mettre 4500. Ouais. Si je devrais faire un calcul, ça fait. Hop, et puis il va pas baler. Lui. Presque 3 fois plus. Non, peut-être pas. Non, non, peut-être pas. Genre 2 fois plus. Ouais, bah je suis mieux en calcul mental. Et alors? Et alors? Bah non, 3 fois plus, même, je vais mettre. Ah, bah oui, mais t'es sûr. C'est cool. Ah, bah de toute façon, on peut faire ça. Ah, je savais pas ça, non. Ah, du coup là on va s'engager sacrément là d'un coup. Hop. Ouais, 2600. Ça va. On va mettre ça comme ça. Et ça roule en vite fini du coup je pense. Ouais, je sais pas. C'est vrai que là je vais me faire un gros trou. Mais mine de rien, j'espère que tout à l'heure je n'ai pas été sous loin avec toutes mes explications. Dites-moi dans les commentaires, comme je le disais tout à l'heure. Dites-moi si vous préférez les carrières suivies maintenant comme avant. Ou alors si vous n'avez pas vu la différence, dites-le aussi. Ça sert vraiment à ça. Moi ça va, pour moi évoluer tout ça. Donc je sais pas si je voulais vous parler d'un jeu. Donc ce jeu s'appelle The Hunter. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, bah tant mieux. Écoutez, bah ça vous vous sentirez plus à l'aise quand j'en parlerai. Je ferai peut-être une vidéo dessus. En fait c'est un jeu de chasse. Alors, je sais qu'il y en a qui regardent ma chaîne et ils aiment pas la chasse. Hein, Corentin? Et ouais, et donc c'est un jeu de chasse, mais c'est vraiment le plus réaliste au monde en fait. Donc, du coup, c'est super cool. Et en fait, vous voyez, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Genre, par exemple, les animaux peuvent vous sentir, ils peuvent vous entendre faire du bruit. Et puis en fait, ils ont vraiment une intelligence. En fait, c'est incroyable. C'est, on dirait des vrais animaux en fait. Et les paysages, il y a vraiment des paysages genre magnifiques. Vraiment des paysages magnifiques. Et ils ont sorti un nouveau trailer parce qu'ils vont en fait enfin un nouveau Hunter, mais je sais plus c'est quoi le nom exactement. Et enfin bref, et il est encore plus beau. Alors là c'est vraiment bon, il faudra avoir une bonne config je pense parce que les graphismes sont vraiment au top quoi. Mais ouais, si vous avez du temps, bah allez regarder, c'est vraiment cool. On pourra se faire peut-être aussi de temps en temps des chasses. Abonnez.
pourrait être sympa. Ouais, franchement, ça pourrait être kiffant. Bah, attendez, on va passer par là, on va passer en Chine. Bah, là-bas, je... J'ai oublié de regarder à combien on était, du coup. Avant d'acheter Manitou. Ah, JCB. Mince. Dommage. Donc, on va pas non plus... J'ai pas du tout vous montrer, hein. On aurait pour des heures. Je vous montrer le vitage du silo. On aurait vraiment pour des heures. 20 minutes, le compteur il indique. 20 minutes. Je vais encore tourner 5 minutes et puis on va se laisser là, les amis. Mais ça devient répétitif à force de le faire du silo. Et c'est pas le but parce que. Voilà. On va encore faire 2 godets et puis ensuite on va acheter les cochons. Puis on va aller les voir. Ouais, un godet, non, on va se faire le dernier godet là. Puis je ferai le reste en off. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. J'ai plus rien à dire. Fais pas un trou comme dans les vidéos d'avant. Je m'en excuse. Hop, on va aller voir les cochons. Attends, je te couvre là. Donc, hop, donc 26 000. On va pas pouvoir s'acheter des masses de cochons, je pense. Mais... Bon. Alors on va prendre le pick-up. Au pire, on s'achètera à la fin des cochons dans... De toute façon, on va passer à en acheter des masses parce qu'on n'a pas non plus des masses à leur donner à manger. Donc... Voilà. Simplement. Je sais pas ce qu'ils mangent, vraiment. Bah, ils mangent du maïs. Bah, si, on a du maïs, en fait. Mais... Quoi exactement, je sais pas. Et on va aller les voir. Puis on va regarder là-bas. Bon, j'appuie un petit peu vite avec le pick-up quand même. C'est par là. Hop. Les vacances arrivent aussi. Alors, de ce fait, et bah. Les vacances qui plus de vidéos aussi forcément. Bah après c'est vacances de Noël donc il y aura les fêtes donc je vais pas non plus en faire pendant les fêtes. Voilà. Mais il y aura une petite surprise, voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis pas quoi. Donc là on va regarder les cochons. Alors, même pour s'en acheter 3000, bah on va s'acheter une dizaine de cochons. Si on aura ça. Non, on aura pas si on fait ça. On va s'acheter 6 cochons. Confirmé. Bon, on va pas les prendre avec le bétail. Voilà à quoi ils ressemblent. En fait, ils sont beaux, quoi. Il y a un peu gros celui-là. Ouais, ils sont beaux. C'est cool. Comme ça, on pourra leur donner à manger. Alors, le prochain épisode, bah, vous savez ce qu'on va faire. Hein. On va leur donner à manger ces petits cochons. Et ils ont faim. Hein. Ils ont faim. Qu'est-ce que vous croyez? Ouais, ouais, c'est pas tous les mêmes, il y en a un rose. On a un peu toutes les races. C'est pas mal. Celui-là, il est beau. Celui-là, c'est mon chouchou. Eh oh, je te parle. Non, je vais pas tuer tout de suite, t'inquiète pas. Non. Voilà. Et j'espère que le son du jeu va être enregistré. Un coup pas la voix, un coup pas le jeu, ça serait quand même embêtant. Donc voilà les amis, alors. Donc sur ces cochons, et bah on va se laisser. Donc salut, bye tout le monde!